Ah, cette petite musique d'intro là, bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? Salut papa Noël, salut Mouchou, salut Freddy! Salut à Modo en feu. Je lance mon jeu, normalement ça devrait aller mieux pour te voir sur le jeu, ça marche! On est pile poil sur la destination que tu m'as donnée hier offline. On est sur l'aéroport de Ni, j'ai oublié son petit nom, Motu Mute. Donc Mute Island, on est à Bora Bora les amis. On va aller s'occuper de ça. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de lancer le recording. D'ailleurs je vais lancer le recording pour essayer de faire du coup je vais refaire un petit faux départ. Je vais faire comme si j'avais venu de démarrer la vidéo en mode coucou tout le monde etc. Donc faites coucou à YouTube. Attention 3, 2, 1 et on record. Et bonjour YouTube pour la VOD. Faites bonjour, cette fois-ci normalement on enregistre en 1080p, j'espère. Donc comme du coup vous aurez pouvoir en profiter un petit peu plus. Je vais baisser quand même un peu le son de la musique qui m'a l'air un petit peu fort. Voilà, un petit 35 me semble pas trop mal. Et donc, coucou tout le monde, coucou Papa Noël, coucou Freddy, coucou Mouchou, Rafa, bonjour tout le monde, merci Cool Blue. Oui, merci Cool Blue pour l'achat de la petite carte graphique qui normalement devrait me faire record tout ça. Utilisation du processeur à 12%, on est sur le PC dédié stream, donc il n'y a pas de souci normalement, tout est recordé en 1080p. Nous sommes donc à Bora Bora, nous sommes donc à l'aéroport de Motu Mute, ou Mute, je ne sais pas comment ça se prononce. Et nous sommes alignés avec la piste parée à décoller. Oh ouais, putain, la musique va être terrible en plus. On a un petit soleil couchant là-bas. On va peut-être se faire par contre quelques petits nuages, parce que c'est quand même plus sympa qu'un ciel complètement dégagé. Voilà. Voilà, on est sur un truc un peu plus réaliste déjà de base. On va peut-être lever un peu le soleil, parce que sinon il est caché là comme ça dans les nuages. On voit plus rien. Voilà. Voilà. C'est pas beau ça, hein, franchement. Elle est pas belle la ville, hein. Allez, c'est parti, Bora Bora, en route. Et salut Franck! J'ai pas raté ce midi, mais t'inquiète pas, en fait, hier, il n'y avait pas du tout, puisque hier, j'ai pas pu streamer. J'étais en pleine réunion, saleté de saleté. Et on lâche les freins. Oui, parce que du coup, hier, j'ai eu une réunion qui démarrait à 11h et qui devait se finir à midi et demi, qui a légèrement débordé, et du coup, après, c'était un peu le bordel, pas eu le temps de streamer et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais j'ai raté toute la semaine. Waouh, mais c'est pas grave. VOD dispo et sur Twitch et sur YouTube. Et à partir de donc du coup demain, par rapport à ce qu'on record aujourd'hui, avec de la chance, cette fois-ci, VOD en 1080p. Allez, petite rotation, tranquillou pépouze. Voilà, histoire de pas abîmer les gonfleurs. Les gonfleurs, les flotteurs, pardon. Et hop. Train d'atterrissage, gear up, on monte ça tranquillou. On va allonger un tout petit peu parce que vraiment il va falloir qu'on prenne de la vitesse sur cette histoire là. On va enlever toute cette. On va enlever les flaps histoire de reprendre un petit peu de vitesse. Et nous voilà à Bora Bora. Et salut Ghost Wolf, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu arriver, petit furtif que tu es. Mais vous êtes tous en rouge aussi, c'est difficile de vous distinguer les uns des autres là. Mettez-vous des couleurs, bon sang, que diable! Il y a des sauts d'image visiblement, attendez que je regarde. Sauts d'image dû à un retard d'encodage. On a quand même 11% de perte là. Ouh là là, est-ce que ça lag sur vous? Enfin sur vous, chez vous j'entends. Faudrait que je vérifie tout ça là. Pas le temps de streamer, pas le temps de niaiser. Il n'y a pas le temps, son esprit glisse ailleurs. Bah oui, j'ai piloté ça à Biscarros en octobre. Ah, sympa Franck. Prendre des caisses avec Supercam à flotteur, faut pas rêver. Ah oh, bah on fait ce qu'on peut hein. J'ai changé. Rafa. Altimètre mal réglé. Tiens, voilà Papa Noël qui vient se balader avec nous. Bon, pas dégueu l'endroit, hein. Comment vous dire que c'est pas dégueu du tout, du tout, du tout. On va peut-être aller directement direction le... Oh, c'est quoi qu'ils nous ont mis là? C'est des petits bateaux qui se baladent. C'est des petites traînées de bateaux qui se baladent, mais qui étaient probablement là lors de la vue SAT. Et du coup, que t'as l'impression qu'elles sont encore là alors qu'en fait elles sont plus là. J'ai un problème de clavier.
C'est si beau, mais c'est super beau, c'est super beau. Il n'y a même pas de pluie. Oh là là, déconnez pas, les gars. Non, en vrai, j'ai quand même une question. Est-ce que ça lag chez vous? Parce que là, j'ai l'ordi qui est en train de me dire qu'on a des sauts d'image liés à l'encodage. Donc, ça se trouve, l'encodage, le record que je suis en train de faire est en train de déconner. Peut-être. Yes, coupure, super fluide. Ouais, mais ouais. Alors du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. C'est nickel pour vous. Parce que là, moi, j'ai a priori, j'ai 20% de perte, donc je pense que c'est sur le recording. Il va falloir que je regarde cette histoire. Bon, en tout cas, on a l'air d'avoir un petit lagon à droite. Là, on va aller checker ça. Il est où, Papa Noël? On l'a perdu. Oh là là, cet endroit. Ah, il est là-bas. Non mais comment l'endroit est beau, punaise. Oh là 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 là. Ici, c'est raisonnablement fluide. D'accord. Bon, bah écoutez, tant mieux. C'est parfait. Et salut OSM, comment vas-tu? Je suis le Power Ranger vert. Ghostwolf. Ah, là, c'est moi qui freeze. Tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est bon. Bah, dis donc. Pour un stream du vendredi où tout devrait bien se passer parce qu'on est presque le week-end, dis donc. Ça déconne un peu, là. Des petits freeze, ouais, j'ai l'impression aussi que le... Bon, je vais couper le recording parce que je pense que c'est lui qui est en train de tout péter, là. On va regarder ça vite fait. Tac. On coupe le record. Réinitialiser. On va regarder un peu le bordel, là. Pourquoi j'ai 11% de perte due à l'encodage? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où sommes-nous? On est à Bora Bora, OSM. Excusez-moi, du coup, parce que j'essaie de regarder un petit peu d'un point de vue technique qu'est-ce qui est en train de déconner, là. Pas merci, Cool Blue. Bon, ça devrait être mieux, les copains. Tenez-moi au courant. Si jamais je coupe le stream, je relancerai sur un autre encodeur. Et ça devrait mieux se passer. Et c'est bizarre, ça marchait très bien. Et normalement, là, déjà, on sent... Parce que j'ai fait exprès de pas le mettre sur le même encodeur, le record et le... J'ai fait exprès de pas mettre le live et le record sur la même... comment dirais-je, sur le même encodeur. Pas d'ad. on peut dire que t'as le tel au volant. Oh, bah, en fait, oui, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, du coup, d'avoir effectivement de lire le chat et de s'écraser comme une vieille chaussette parce qu'on n'a pas regardé où on allait. Un petit peu décevant. Elle est sympa, la vue, là. On va peut-être se faire une petite vue... On va peut-être se faire une petite photo, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, photo. Attention, caméra, mode vitrine, bim bam boum. On prend la manette. Il est où, copain? Il est un peu plus bas, copain. Oh, mais pourquoi ça freeze? Mais... C'est insupportable, là. Il va pas nous faire ça toute la journée, quand même. Ah, on a perdu papa, d'ailleurs. Oh, oh, c'est étonnant, ça. D'accord, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des soucis. Là, je pense qu'on va avoir une vue qui va être vraiment, vraiment pas dégueu. Fais gaffe au contrôle de flic. Ouais, mais t'inquiète. De toute façon, je vole sans permis, donc comme ça, on est tranquille. On va attendre d'arriver un peu là-bas, parce que là, on va avoir une vue qui va être d'enfer. Attendez, on va faire pause. J'ai dit, on va faire pause, espèce de crapaud, va. Et, hop, on va aller se chercher un coucher ou un lever de soleil en fonction de où qu'on est, là, pour avoir des couleurs. Voilà. Voilà. Ou plutôt... Non, plutôt un... Voilà. En fait, on va plutôt aller chercher le soleil bien, bien haut pour voir la différence entre les... Pour voir les différences entre les trucs, là. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de sympa. Voilà. Il faut que je vous dise, je suis tombé in love sur EG78 Out Scaries. Déjà été... pas du tout. Faut qu'on aille voir ça, du coup, parce que je ne connais point du tout. Attendez, on va se garder ça, là. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce plan, là. Là, on a un plan de folie. C'est parti. Screenshot. Ah, mais non, pas l'indicateur de cap mal réglé. Casse-toi. J'ai appuyé sur D, là. Va-t'en. Allez, casse-toi, le message. Et voilà, on a perdu l'angle de... Ah, oh, c'est insupportable. Bon, on va être obligé de refaire un... tour, là. Pour se remettre dans l'endroit où on était. Oh, c'est pas juste. Il m'a pourri mon groove. J'aurais dû faire pause. Voilà, on se refait un virage par là-bas pour se remettre face.
Oh mais pourquoi ça freeze? Bon sang de bonsoir. En plus, il freeze pile quand je suis avec un angle dégueulasse, là. Merci. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Un petit peu d'angle, un petit peu de ça. L'angle, tu m'emmerdes. Voilà. Mais du coup, vous savez quoi? On va faire pause parce que je sens qu'il va me faire chier, sinon. Hop. Voilà. Ah bah, papa, du coup, qui passe. Et on va se prendre la photo comme ça. Hein. Attendez, je crois que les chats, ça gueule un petit peu, là. Bougez pas, je reviens. Ce vendredi, c'est le stream de l'angoisse. Il y a rien qui tourne. Alors, désolé, les chats étaient en train de s'engueuler mutuellement et de se bouffer la tronche. Tout va bien, on va pouvoir y arriver. Est-ce que j'ai pris ma photo du coup? Je sais plus, je vais la prendre. Voilà. Allez, on est reparti mon kiki. Hop là. Hop. Externe. Voilà. Oh, ça a été compliqué, hein, les copains. Ouh, oh, ouais, dis donc. Hein. Donc, il devrait y avoir Mister Papa Noël qui devrait être dans le coin. Mais fous-moi la paix avec mon indicateur de cap. Je crois que je vais le virer, en fait. Notification. Bon, c'est très joli, ça, de base. Ouh. Donc, les watermarks sont super, mais grave. Grave, grave, grave. Là, on va... Bon. Voilà, on va essayer de profiter un petit peu. Il est... Des... Non. Plein le cul des lags, là. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce qui tourne derrière là? Qu'est-ce qui est en train de me prendre la tête? Bah rien en plus, c'est ça qui est chaud. Des micro-lags de partout, c'est un truc de dingue. Le vendredi de la PLS, complètement, c'est extrêmement décevant. Bon, allez, on va aller voir un petit peu les watermarks, là on va aller se balader un petit peu sur Bora Bora, parce que bon, c'est quand même le but du jeu à la base. Regardez-moi cette beauté là-bas, oh là là. Oh là 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 là. Et donc du coup, alors je reviens sur ce que tu me disais, OSM, là. Donc EG78, c'est quoi? Enfin, c'est où surtout, en fait? Relance le jeu. Alors si je relance le jeu, j'en ai pour 10 minutes. C'est toute la problématique de Flight Sim, c'est que quand il se lance, il est très très long. Il est très très long à se lancer. Alors, allons-y. Une île au nord de l'Écosse. Ça me tente bien ça. Moins vu que tu l'as déjà lancé une fois. Ah bon, quand il a déjà été lancé, il s'en sort mieux? Ouais. Ah, cet endroit là est incroyable. On va aller avancer un peu par là-bas. Et je pense qu'on va aller se faire une petite vue un peu genre dans ce sens là. Oh ouais, on va faire une photo maintenant là. Oh attendez, bougez pas là, ça sent la photo de foufou là. Hop, the manette, the cachage of the souris. Oh là là, oh là là, oh que oui, oh que oui, que oui, que oui, que oui. Ah bah voilà, ça va me réconcilier un petit peu là, voilà. Hop là, voilà, là on a une jolie photo là, et ça fait plaisir. Bam. L'endroit est incroyable quand même. Oh non, s'il te plaît. Ce n'est pas lié avec la piste en sable. Ah, ça, je ne sais pas. Faudra demander à OSM là, du coup. Oh là, mais cet endroit, mais cet endroit, mais cet endroit. Est-ce qu'on peut essayer de choper la piste? Oh, on peut essayer de choper le truc complet là. Ça se tente. On va essayer de choper ça en photo. Attendez, attendez là. C'est juste incroyable comme zone. Bam, bam. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette photo qu'on va avoir là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la batte. On va juste attendre un petit peu d'avoir dépassé le petit bout qui est juste là à gauche là. Et alors là, mes aïeux, on va avoir une photo. On va mettre l'avion en haut à gauche là. Oh là là. Oh là 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 là.
Hop là, coucou. Incroyable. Incroyable. Non, goudron tout bosselé avec des barriques de chaque côté, des barrières de chaque côté. Ça a l'air vachement intéressant, dis donc. On va aller voir ça du coup. Oh là là là, mais regardez-moi cette île quoi. Pouf. Et pareil, encore un truc paumé au milieu de l'océan Pacifique quoi. Truc de dingue un peu quand même. Truc de dingue. On va quand même aller se poser dans le lagon, on est d'accord, hein. Quand même, on va pas déconner. C'est pas tous les jours qu'on va aller à Bora Bora et qu'on peut aller se poser à Bora Bora sur les lagons, quoi. Allez, roule ma poule, on y va. On va juste accélérer un petit peu le temps, histoire de pas perdre trop de temps, quand même. Zut. Hop là. Voilà, tac. Alors, où est-ce qu'on va se poser, là? Regardez-moi ça, on voit même les trucs. Alors du coup, je pense que là... Ouais, c'est par... Elles sont sous l'eau. En fait, de haut, ça se passe pas trop mal. Dès qu'on se rapproche un peu... C'est pas foufou. Les îles Shetland, je t'en parlais il y a quelques jours. Ah, on va aller checker ça. On va aller checker ça. On va aller se poser, je pense, dans l'espèce de petite... Bon, on va aller devant, là. Là ou là? Non, on va aller devant, là. On va aller se foutre juste devant. Voilà, tranquillou, on va couper à la gaz. On va se mettre des flaps. Joyeusement, gentiment. Alors, est-ce qu'on va réussir à amerrir un peu plus proprement que ce qu'on a fait dernièrement? C'est-à-dire avec environ 3 ou 4 rebonds. Environ. Ça serait peut-être sympa qu'on fasse mieux, là, non? Merci, papa, pour le Cub Hydra. Je le kiffe. Velu. Et merci Anna, bien sûr. Bah, oui, ça y est, je me suis rendu compte que je vous avais oublié du coup à la fin du live. Alors, ce que j'avais dit que je ne l'oublierais pas. Mais voilà, mon petit cerveau a fait que je l'ai oublié. Donc, du coup, je t'ai envoyé ça sur le Discord. Et on a pu. Je t'ai pu t'envoyer le petit lien. Allez, c'est parti, mon quickui. Hop, le rebond qui va bien parce qu'on a encore fait de la merde. Quand on vous dit qu'il faut pas lire le chat quand on tente d'atterrir. Alors, deuxième rebond. Voilà, celui-là, on l'a maintenu un peu plus. Voilà. Quel mauvais, mais quel mauvais ce garçon. Alors, bon bah voilà, ça c'est fait, on est pas mal là. Sympathique endroit pour venir se poser, soyons honnêtes. On a connu pire. Et du coup, si on fait comme ça là, et qu'on se met par exemple en mode vitrine, avant d'aller bouger loin, est-ce qu'on peut prendre plein... Ah bah tiens, regardez qui c'est qui est là. Il faut pas atterrir, il faut voler bas pour amerrir. Bye, amerrissage hydro, tu te cales à la bonne vitesse, je sais pas laquelle pour le X-Cube, tu fixes l'assiette vers plus 5, tu règles le vario avec les gaz sur moins 100 de... D'accord, ça marche. Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. On est franc, soyons francs, on a fait un peu de la merdouille. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est bas. C'est bas. Bon, direction les îles Shetland. Allez, c'est parti mon kiki. Retour au menu principal. Alors, îles Shetland. Les îles Shetland du sud Antarctique. Hein? Non, j'ai dû confondre, c'est pas possible. J'ai mal lu, non? Attends, EG78, bougez pas, on va taper EG78, ce sera plus simple. EG78. Vout ! Voilà, là on est au nord du Nord-Irlande, d'accord. Alors, on va se mettre en direct, météo en temps réel a l'air correct. Donc, nous sommes vraiment vraiment au nord de l'Écosse, on est juste à côté de la Finlande. Oui, c'est la Finlande à gauche, putain je sais jamais. Non, Norvège. Norvège, Suède, Finlande? Je sais jamais, je sais jamais. Ma géographie est à déplorer, voire même est déplorable. Bon, alors, du coup, on va décoller dans ce sens-là, piste 27. On va peut-être se prendre un truc un peu plus rapide ou pas? Non, on va garder le petit avion que bien. Et très bien. Hop, décollage. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
définir comme point de départ. Zou, et rouler ma poule. Et les Vikings. Shetland tout court par Shetland du Sud. Ah ben oui, mais bon. Mais c'est le monsieur Google, il a pas compris, parce que moi j'avais juste tapé île Shetland en fait. Mais c'est bizarre. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors c'est moi qui suis vraiment mauvais aujourd'hui. C'est pas impossible non plus, hein. C'est vraiment pas impossible que je sois dans la bouillabaisse. Je pense effectivement qu'il y a un problème. Il y a mon cerveau qui dit des trucs, ma bouche qui dit d'autres trucs, il y a des mots qui se perdent en cours de route, des mots, des lettres, il y a des trucs qui vont pas bien. Je pense que le week-end va faire du bien. Je sais pas vous, hein, mais là je pense que ça va être cool, ça va être relax. Allez, c'est... Oh, l'endroit est sympatoche, dis donc, ouais. Ah ouais, l'aéroport club. C'est incroyable. Ah non, mais c'est... J'aime pas trop la musique, on va la changer. Hop. Voilà. C'est assez incroyable. Waouh, l'endroit de fou, quoi. Mais en vrai, comment est-ce qu'on a réussi à faire demi-tour sur une zone comme ça, là? C'est tout petit. Putain, mais c'est incroyable, avec les petits cailloux de côté. Oh, bah tiens, Papa Noël. Mais on va décoller, là, vous êtes sûr? Ça me paraît bien court pour décoller, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Oh, l'endroit est incroyable, avec le petit voyage, avec le petit village à côté, là-bas. Regardez-moi ça. Waouh. Mais casse-toi les messages, j'en ai marre de ces messages. Ça y est, ça commence à me saouler, pardon. Alors, assistance. Système de bord. Non, c'est pas ça. Notification, voilà. Notification sur le pilotage et les commandes. Oh, tais-toi. Système de bord, tais-toi. Voilà, merci. Appliquer et enregistrer, voilà. Ah, parce que ça allait commencer à me saouler très fortement. Oh, mais qui sait, c'est toi, papa, qui a changé d'avion, là, pour repartir? Alors, attendez. Easy le décollage. Regarde comment ça souffle en frontal. Hein. Il est où le truc? Ah oui, effectivement, vous voyez là, le petit cône là qui nous indique un peu. Il y a beaucoup de vent, il est en plein frontal, donc normalement on devrait s'en sortir. Résultat du décollage, plein gaz. Pour décoller plus court qu'un X-Cup, t'as que l'hélicoptère. Oui, mais un X-Cup normal, ça c'est un X-Cup flotteur, on a l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus long que les autres. Allez, plein gaz, c'est parti mon kiki. C'est un autre joueur, hein, d'accord, c'est un autre joueur qui est venu faire coucou aussi. Ah bah, revla papa du coup. Allez, roule ma poule, c'est parti, plein gaz. Non, j'ai coupé les loups pilotes. Hop. Et on lâche les freins. J'ai pas mis les... Non, pardon. Les flats étaient déjà à 15. Donc on touche à rien. Allez, roule pépère. Roule. Youpi. Je vais vite. Et je m'en... Hop, oh, putain, c'était du vent, ça. Oh la vache. Et gear up. Ah ouais, il y a du vent. Alors regardez, ça c'est hyper intéressant. Sur Flight Sim, regardez la gueule de la mer quand il y a du vent. On est... Hey, coucou. Il y a vraiment, du coup, énormément de vent. Et donc du coup, il y a la flotte réagit en conséquence. Et c'est assez incroyable. Regardez-moi ça, comment je vire complètement... je drifte complètement tellement il y a du vent, quoi. C'est un truc de dingue, là. Regardez-moi ça. Je me déporte complètement à droite. Où sont les poneys? C'est un peu ça. Est-ce que Vulga, c'est toi? Non, bah on sait pas si c'est Vulga. Normalement, Vulga, il est censé être en cours, normalement, cette semaine. Donc, if Vulga. Après, si t'as réussi à le taguer, peut-être qu'il est... ça veut dire qu'il est sur le live, en tout cas. On va savoir. Allez, on va tenter de faire un demi-tour. Tranquillou. J'arrive même pas à faire demi-tour, regardez. Il m'emmène... Le truc m'emmène complètement à l'ouest, quoi. Enfin, à l'est, en l'occurrence, mais... Elles sont incroyables, ces îles. C'est un truc de fou. Vous avez vu le petit bateau, là, qui est le petit bateau de pêche paumé au milieu du truc? D'ailleurs, comment il est arrivé, là? Il y a un truc pour rentrer, là-bas, à droite? Oh, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Non, je les tag comme ça. Salut, Roi 12, comment vas-tu?
J'ai un petit peu de mal à voir mon assiette là, donc du coup j'ai un peu de mal à voir comment je suis en train de virer là. C'est incroyable, cette zone est juste folle. Mais comment t'as trouvé ça, OSM? Ah, j'ai pas rentré mes flaps. Comment t'as trouvé ça, OSM? C'est un truc de fou. Avec le vent dans le dos, tu passes Mac 2. Il y a moyen, ouais. Vu le vent de taré qu'il y a, il y a vraiment moyen. Et regardez-moi ça, c'est falaise. Et là, d'accord, là on a des falaises qui sont bien faites. Là on a de la belle falaise de qualité, là, messieurs, dames. Oh, le phare, on va aller voir le phare. Mais c'est génial ce coin là. Ah donc oui, effectivement, il y avait bien une ouverture derrière pour que le bateau puisse rentrer, là, le bateau de pêche. Oh, c'est juste incroyable cet endroit, incroyable. Attendez, elle est où la piste? Elle est à la piste là qui l'a décollé. Oh, c'est un truc de fou quoi. Mais c'est même presque incroyable qu'ils aient une piste de quoi. C'est probablement la plus belle scène, elle a été incluse avec le World Update 3. D'accord, c'est un point d'intérêt, je vous ai pas menti. Ah non, t'as clairement pas menti, OSM, là, du coup, très bel endroit. Putain, la vache. J'avoue que là, waouh. On va aller voir, le phare, là, on va aller faire un petit tour sur le phare. Le phare à on. Oui, j'aime beaucoup cette petite vanne et je la ferai à peu près à chaque fois que je verrai un phare. Oh là là, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il va falloir qu'on arrive à trouver le meilleur angle pour se prendre la petite photo là. Oula, oulala, oulala, oula, le vent. Le vent l'emportera. Peut-être falloir qu'on fasse pause quelque part, par exemple. Près des falaises là, ça me plairait bien là. On va peut-être faire pause quelque part, genre par là. Tac, voilà. On va se mettre en mode. On va se mettre en mode vitrine. Tac tac. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une photo absolument incroyable entre le phare en dessous, l'avion ici, les phares... Oh putain, mais les falaises sont vachement bien modélisées, c'est un truc de dingue. On va tourner un peu la cam comme ça, ou là, comme ça, pour récupérer... Ouais, comme ça, là. Oh, incroyable, incroyable. Ah ça, ça va être beau, ça. Pof, 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 pof. Oh, mes aïeux, comment c'est beau, là. Ah, ça va gâcher un peu là le truc. Si on se met comme ça, plutôt comme ça. Là, on a une jolie lumière là. Là, on va avoir une très jolie lumière. Mettez en temps réel. Est-ce qu'on remet quelques nuages? Ah, bah non, temps réel. Il faut que la flotte soit vraiment bien faite là. Oh là là, ça c'est beau ça. Attendez, je récupère. Je fais ma photo et je récupère le chat. Hop. Et hop là. Qu'est-ce qu'on disait? Ça secoue en bas, tu m'étonnes. Volet sorti, vent de face, tu pourrais presque être en stationnaire. Eh, hey, pas con ça. Rentre le train aussi, si jamais tu comptes te poser. Ah oui, j'ai pas rentré le train. Pilote du dimanche. Tu es allé voir le mont Aiguille ou pas encore? Tu m'as fait penser avec tes falaises, on reconnaît la voie normale. Le mont Aiguille, non, je connais pas du tout, il faudrait qu'on aille voir ça. Ouais, je reprends la photo parce que j'avais le... J'avais le petit menu en haut pendant la première photo qui était pas terrible. Du coup, hop, on va revenir là. Hop. Tac, on enlève la... Merde, c'est pas ça. On enlève la pause. Effectivement, j'ai pas rentré le train, la bonne blague. Quel couillon. Oh là là là, comment c'est beau, mais comment c'est beau. Pof, 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 hein. Moi, j'ai envie de dire bravo, messieurs, dames, hein. Oh là là. Alors attendez, si ça, Papa Noël s'est posé dans la flotte là, qui est dans la... Non, il s'est posé mais après il est revenu là, il a dû revenir, ça doit être Papa qui doit être là-bas. Mr. Papa Noël is on the piste. Ou pas, on sait pas. Par contre là, si c'est toi, t'es dos... Ah, tu dois avoir un hélico là parce que vu le mouvement que tu viens de faire, soit t'as un hélico, soit t'as un harrier, mon ami là. L'avion qui est en lévitation. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour que l'avion soit en lévitation? T'as vraiment fait ça? Tu t'es mis face au vent? Tu t'es mis face au vent? Non, t'as quand même pas fait ça. Si? T'as fait face au vent plein flaps? Non, attendez, on va essayer. Ah, un autre joueur, d'accord, je me disais aussi. Vous irez voir sur YouTube, les gars se posent cette piste en bimoteur, ça volait. Pouh la vache, tu m'étonnes. Alors attendez, on va essayer du coup, si le vent... Attendez, le vent, il est où par rapport à la truc là? On va se mettre face au vent. On va se mettre plein flaps.
Et on va regarder la gueule du truc. Attendez, là j'ai quoi là? Je suis vent dans le dos. Ok, vent dans le dos. Donc, il faut qu'on s'oriente direction nord, là, plus ou moins, pour avoir le vent de face. Et on va voir si on peut se mettre plus ou moins... Pas en stationnaire, mais... On va voir comment ça va se passer. Hop. Fin de virage. Tac. Hop. On se remet droit. Tac. Plein flaps. Réduction des gaz. Oh, ça va être rigolo, ça, tiens. J'adore. Est-ce qu'on va décrocher? C'est pas dit, hein. C'est pas dit, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, on est presque en stationnaire. On perd un peu d'alti, là. Bonjour, bonjour le bateau. Regardez-moi ça, putain. On est... Ouais, j'avoue, on est presque en stationnaire, hein. Pas si loin que ça, hein. Limite, on pourrait se poser... On pourrait se poser à la verticale en mode... Puf. Tu peux atterrir sur 50 mètres tellement ça souffle. Non, mais complètement, là je pense qu'on peut se poser presque... Là si je me cabre, si je cabre un petit peu au dernier moment, je peux aller me poser sur le petit bout de... Sur le petit bout de truc là-bas, là. Attendez. Un petit peu de gaz histoire de... Poser comme un hélico, c'est parti. c'est quelle piste pour que j'essaie de me poser plus tard? Alors j'ai oublié son petit nom. On va te la retrouver juste après. Mais bon voilà, par contre je redécolle plus là. C'est foutu, je redécolle plus. Mais c'est très drôle. Ouais, je sais que j'ai la OA. Ouais, j'ai la OA d'attaque qui était assez rond. J'ai vu un cub en marche arrière à Lausanne, il avait 45 nœuds oh, de bise plein nord, la vache. Et voilà, la tente, on pose la tente, on sort le barbuck. Bon, par contre, pour récupérer l'avion, en vrai, bon courage. Hey, il y a papa qui tente la même. Et hop là, alors pour moi, tu t'es foutu dans le sol là, mais... Ah, tu veux que je tente le décollage? Ouais, on peut tenter une rotation là, attendez, bougez pas. Est-ce qu'il va vouloir me faire une rotation sur la droite, là, tranquillou ou pas? Attendez, on va mettre les gaz. Et là, je mets les gaz, je suis en marche arrière tellement il y a du vent. Et il y va pas, le machin. Il a pas trop l'air de vouloir y aller, là. Bon, déjà, j'ai un flotteur qui est dans le caillou. Ah la vache. Allez, monsieur. Oh, je pense que je peux plus rien faire, hein. Je suis plein gaz, hein, les loulous. Hein. Je peux absolument plus rien faire du tout. Le vent est en train de m'emmener derrière. Il n'y a plus que dalle, là. C'est foutu. J'ai pas mis les freins, on est d'accord. Hein. Non, j'ai même pas mis le frein de parking. Hein. Donc, on n'y va plus. Bon, allez. Donc, Roi 12, on va te dire où qu'on est exactement. Menu principal. Tac, retour au menu principal. Nous étions à... manche à gauche. Ah oui, non, mais manche à gauche, droite, il y allait nulle part. Hein. Il n'y a plus rien qui bougeait, là. Nous étions ici. Donc, nous étions à EG78. Skerry extérieur, au nord de l'Écosse. C'est un des points d'intérêt. Donc, voilà. Roi 12, si jamais tu veux y retourner par toi-même, c'était un très, très, très beau point. Très joli. Où est-ce qu'on va maintenant? Quelle heure il se fait, là? Il est midi 36. Où c'est-y qu'on va-t-on? On fait quoi? On continue l'Écosse ou on va se trouver une... 78? Ben oui, 78. Il faut vraiment que je m'y fasse à cette obligation-là. De loin, la plus belle scène du jeu. IMO? C'est quoi, IMO? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui vous tente, les loulous? Au moins un pays? Dites-nous un pays. J'ai allumé le chauffage, ici. Les 94, mais oui, mais les 70 et les 90, j'ai pas encore retenu, j'y suis pas. Est-ce qu'on retournerait pas un peu au Japon, profiter justement justement du... Comment ça s'appelle, hein, de la World Update 2? Il y a des trucs sympas au Japon. J'ai donné mon numéro de téléphone en disant 93. Bravo, bravo chouchou. Bien joué. T'as eu... Est-ce qu'il a fallu réfléchir avant ou pas? C'était la question. Il y a une superbe piste au Japon dans le sud de l'archipel. Ah, dans le sud de l'archipel, laquelle? On a l'aéroport de Suwanosejima. Je sais pas si c'est ça.
On doit avoir des super trucs là. On a des petites îles de partout là. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du vent et du nuage IRL. Hein. Là, on est en condition de vol réelle. Ça a l'air de vouloir souffler quand même pas mal. Tatara Bridge. Putain, il y a l'air d'y avoir des trucs. Il y a l'air d'y avoir un paquet de ponts aussi. Bon, du coup, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. J'ai eu un appel téléphonique. EG78. Roi 12. T'es grave quand tu sors un 8 ans de 12 pour... 8 ans de 12, là, je pense que j'ai recraqué mon slip. Alors, attends, ROKR. Roméo, Oscar, Kilo, Roméo, c'est parti. Ouais, donc, c'est celle-là. Tu vois, je l'avais senti, celle-là. Je l'avais flairé. On va partir comme ça, définir comme point de départ. Attends, c'est quoi les distances, là? Synautique, on va se prendre un avion un peu plus punchy, cette fois-ci. On va se prendre un petit bimoteur, ça fait longtemps, tiens. Un petit Beechcraft King. Ça va être rigolo, ça. Qu'est-ce qu'on a en livret? Oh, on a plein de jolis livrets, dis donc. Oh là là, oh. Oh. On va prendre Global Freeways. Bam, c'est parti. Et roule ma poule, démarrer le vol. Ah, cette petite... ces petits riffs funk, là, moi, j'aime bien, là. Là, je passe un bon moment, là. On a vu une super scène, deux super scènes. On a vu Bora Bora, on a vu le nord de l'Écosse. Là, si le Japon, ça pouvait être la même, ce serait top top, là. Allez. Croisons les doigts pour un truc bien. Bon, et puis après, il faudra que je regarde pourquoi ce recording fonctionne pas bien, là. Je checkerai ça, je mettrai peut-être les deux... Peut-être que justement, il faudra que je mette les deux mêmes encodeurs. Je sais pas, faut que je regarde. Mais donc, pourquoi t'es long à charger comme ça, mon jeune ami? Est-ce qu'il y aurait pas quelques petits soucis? Oh, il y a d'avoir du nuage quand même. Oh là là, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. On enlève les conditions de vol réelles. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il gigote comme ça? Il est fou, lui. Ah, dis donc, tu serais pas en train de poser ton cul juste devant moi, monsieur, là? Monsieur Papa Noël. Alors. Bon, c'est sympa, donc, l'endroit, là. Ah, la piste est pas dégueu, hein. Petite piste sympathique en plein milieu des îles, là. Les instruments ne sont pas allumés. L'aile. Alors, les flaps sont sortis, les freins sont serrés, plein gaz. Et je lâche les freins. Oh, pardon, j'ai une pause. Sympa, dis donc, l'intérieur grand luxe, hein. Ça déconne pas. Peut-être regarder ce que je fais, parce que je vais finir par me casser la gueule. Dis donc, les arbres en bout de piste, un peu légers quand même. Oh, le bruit de malade pour les... le bruit pour le train d'atterrissage était assez insane. Et bravo à BWC1976 qui vient de faire son saut de la foi. Merde, j'ai pas allumé le deuxième OBS pour avoir les... Attends, bouge pas, on va remettre ça parce que du coup, on a raté la notification. On va la relancer, bouge pas. Oh, décidément, ce stream du vendredi aura été quand même très... aura été très très en carton. bougez pas. Tac, on se relance le petit OBS des familles, là. OBS. Tac. Parce que du coup, faut que je relance l'OBS sur le PC de gaming pour pouvoir juste avoir l'alert box, pour pouvoir avoir les alertes. Mais on va se refaire un truc propre. Bougez pas. On va la remettre. Voilà. Et du coup, on va pouvoir avoir ici, tranquillement, on va remettre l'alerte. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Pourquoi j'ai pas le son? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai pas le son? Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Et pourquoi les handbox ça marche pas? Est-ce qu'il faut que j'allume ça aussi? Ah ouais, mais je suis un boulet. Bah non, normalement j'ai pas besoin de lancer ça avec. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dis donc. Ah, t'aurais eu ta notification 3 fois, loulou. Alors mon mignon. Et bah voilà. T'as vu de la lumière? Bah voilà, c'est quand même. Bon sang. Alors. Ah non, mais il était hors de question qu'on passe pas, qu'on passe à côté d'une notification, quand même. Bon, sinon, c'est vachement joli, là. Dis donc, le Japon, ça a de la gueule, hein. Dis donc, ça a vachement de gueule, le coin, là. Waouh. Ah, on n'est pas à Bora Bora, mais dis donc, ça a de la gueule aussi, ça. Ah, on va peut-être se faire... pause, tac, mode vitrine, tac. On va peut-être se faire une petite photo, là, parce que c'était quand même vachement joli, l'angle de vue, là. Voyons voir ça, regardez-moi ça, là, les petites îles... Ah, je sens qu'il va se crasher, l'avion, là. Il est en train de se mettre plein gaz, il est pas impossible qu'il me crache pendant que je prends la photo, là. Tac. Voilà, mais une belle photo quand même. Ça aurait totally worth it. Hop. Ah. Et on enlève la pause. Non, ça va, il nous aura pas crashé, heureusement. Je sais pas si tu as vu, mais je t'ai envoyé un MP avec une première vidéo de l'update 4. Oui, je l'ai vu, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais j'ai vu ton message. Avec certains ajouts pour la France et le Benelux, il faudra qu'on regarde. On se la mettra peut-être sur les dernières minutes de live, tiens, d'ailleurs. Ce serait pas forcément une mauvaise chose pour voir un peu ce qui nous attend sur la semaine prochaine. Et salut, Charlie, comment vas-tu? Oh, la semaine prochaine. Pas pourquoi je dis la semaine prochaine, je sais même pas quand est-ce qu'elle arrive, l'update 4. Mais on se mettra peut-être la vidéo en fin de live pour voir de toute façon ce qui nous attend sur l'update 4, quoi qu'il arrive. Très, très, très joli, cet update du Japon, là. L'endroit est très, très cool. Bah vous voyez, le Japon, l'idée que j'en avais, j'y suis jamais allé au Japon, hein, mais c'est vrai que l'idée que j'en avais n'était pas forcément ce genre de choses. Je me serais jamais attendu, effectivement, alors que c'est con, hein, mais c'est dans le Pacifique, comme toutes les îles du Pacifique, mais je me serais pas du tout attendu à un truc aussi beau, quoi. J'avoue, hashtag dans mes préjugés, mais assez étonné. Écoute, ça va fort bien, mon petit chari tranquillou, donc comme j'expliquais, nous sommes actuellement... sur les archipels sud du Japon. Du coup, je vais réduire un peu les gaz parce qu'on va commencer à être en survitesse joyeusement, tranquillement. Assez incroyable. C'est que du coup, comme on a l'habitude d'être sur... des petits cubes et des machins comme ça, on n'a plus l'habitude que l'avion grimpe aussi bien. À Kerama, voilà, tout à fait. Hop, un petit passage dans les nuages. Est-ce qu'on va pas se prendre un peu de givre dans la gueule pendant qu'on fait ça, là? Non, ça va, pas encore, a priori. J'irais bien voir cette petite île à gauche, là. Vous en pensez? Elle m'a l'air sympa. La petite île là-bas a l'air quand même vachement sympa. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on devrait quand même voir... normalement, au nord-ouest, on devrait voir des choses intéressantes, mais... on devrait voir des archipels beaucoup plus grands, mais ça veut dire que les distances sont encore vachement loin. Aussi vert, tu pensais que tu étais bétonné à vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, le Japon, moi, tu me dis Japon, automatiquement, je pense à deux choses. Je pense soit effectivement à Tokyo, bardé de béton évidemment partout. Soit je pense à tout ce qui va être le Japon un peu plus campagnard, si on peut appeler ça comme ça, tout ce qui est autour du mont Fuji, etc. Et je pense plutôt à un paysage montagneux. Mais c'est vrai que jamais je me serais dit que. Que le Japon, effectivement, pouvait être aussi bah, des îles un peu dans ce style-là. Et c'est con, hein, c'est vraiment juste parce que je me suis même pas posé la question, en fait. Mais là, ouais, c'est vraiment sympa comme endroit. Toum toum. Bon, où est-ce qu'on va maintenant qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui vous tente, les loulous?
Il est 47, est-ce qu'on se ferait pas une dernière destination et après on ira voir la vidéo de... Oh, un petit... petite apparition là qui vient de se passer. Écoute bien la radio, certains coins sont radioactifs. Pardon. J'ai rigolé beaucoup trop fort à cette blague. J'ai rigolé beaucoup beaucoup trop fort à cette blague. C'est un peu ça, ouais. Badoumts. Attendez. Que sur des îles, il pouvait y avoir de l'eau autour. Bah oui. Pourtant, les Américains ont bien remarqué que c'était plein de petites îles à conquérir une par une. C'était long, tu m'étonnes. Le Péloponnèse. Ah non, tiens, le Péloponnèse, on avait dit ça, effectivement. On va aller voir ça, là. Le Péloponnèse, alors attendez. Où est mon... Ici, tac. Péloponnèse, en Grèce, tac. Donc, c'est sur les petites îles du sud de la Grèce, là. Ça a l'air sympa comme endroit, hein. 5 bornes, là. Ta-da. On va aller là, tiens. On va démarrer directement d'ici, tac. Coordonnées. On revient sur MFS. Porquerolles. Ah, ben voilà, encore des... Encore les Marseillais. On a fait quand même pas mal la région marseillaise, il faut l'admettre. On a fait Marseille, on a fait Cassis, on a fait les... Comment ça s'appelle ? On a fait les îles, les petites îles qui sont au large de Marseille, là. C'est tout le sud de la Grèce, donc il y a de quoi faire. Hey, coucou ! El Papa Noël ! Allez. Menu principal, continuer. Pam, pam, pam. Et hop. Définir comme point de départ. Retour en condition en direct. Météo temps réel. On va voir s'il fait beau en Grèce. Ah, ça va être un bon coin. Ça va être un coin où je pense que ça va être sympa. Et bonjour à toi, jeune entrepreneur Raven. Comment vas-tu? Fait Bruxelles, ça fait un an que j'ai plus vu mon bureau. Bah on l'a fait en plus Bruxelles, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, Roi 12. On a fait ça, on a survolé l'Atomium. Après on a survolé quoi? On a réussi à trouver plus ou moins la gare du Midi. Par contre après on a essayé de trouver le bois de la Corne, mais je pense qu'on a dû se perdre en cours de route. Mais bon, je suis éclaté mais ça va. Bah moi je suis un peu éclaté aussi, mais très très hâte d'être en vacances. Je vous cache pas que je me suis mis un peu la musique funk pour pouvoir remuer un petit peu et pas m'endormir parce que bon voilà quoi. Putain mais c'est sympa comme tout l'endroit là. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais l'endroit quoi. Hey, je pensais pas que ce serait... Ben vous voyez, pareil hein, je pensais pas que ce serait vallonné comme ça. Ce serait vallonné comme ça la Grèce. Je m'attendais pas autant de relief sur la Grèce, j'avoue. On n'est pas sur des grosses, on n'est pas sur de la grosse montagne des Alpes, hein. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit autant vallonné. Moi surpris, moi content. Waouh. Ah, ça a de la gueule, hein. Ah, j'aime beaucoup. J'y vais, je reprends le taf. Bon live et bonne journée. Ça marche, Roi 12. Plein de gros bisous. Bon courage pour toi, pour ta journée. Et puis, bah, on se retrouve très très vite. Vite fait, genre c'était pas prévu que tu commences. J'ai dormi 3 heures vite fait. J'irais bien voir un peu là-bas. Putain, mais c'est trop trop beau quoi. C'est vrai. Et je sais pas ce que c'est que ce machin là, cette espèce d'immense planche d'eau. Cette espèce d'immense plan d'eau. Je vous l'ai dit, hein, y a un problème, entre le cerveau et la bouche. Là, il y a des mots qui se perdent en cours de route. Il va streamer à gogo quand je serai pas là. Ah, on verra. On verra. Il y aura du geekage. Est-ce qu'il y aura du streamage? Si le streamage se rapporte à votre grammage... L'endroit est assez incroyable. On va essayer de voir... on va essayer de voir sur quel est l'angle qui va être le plus sympa pour prendre une photo. Je sais pas si c'est la partie droite, là, ou la partie gauche. Franchement, je sais pas. C'est vachement beau, quand même, cette zone en dessous de nous, là. Oh là 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 là, je sais pas. On va peut-être prendre une photo de dos... On va se mettre légèrement incliné comme ça, là, tac. Un petit peu de hauteur. Voilà, tac. On va repasser en caméra vitrine.
on va fermer ça. Et là, pouf, pouf, pouf. Là, il y a plus qu'à se faire plaisir. Il y a plus qu'à se faire plaisir sur la cam là. Oh là là. Oh là 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 là. Ce plan là, incroyable. Avec la ville derrière, la piste en fond là. Hop là, screenshot. Il va surtout venir jouer à Arma 3 et DCS. c'est pas dit. Faudra que tu y emmènes Rafa un jour, c'est joli, ça te corrigera tous tes préjugés sur la Grèce, il est pas trop cher. Et c'est pas trop cher. Je sais, en fait, tes préjugés, j'en ai pas des millions non plus, hein, c'est juste que c'est plus de l'ignorance que des préjugés en fait. On va se remettre un. Oh, il est joli ce tank de vue là. Oh, j'aime bien. Oh, sympa. Oh, cet angle de vue est incroyable. Bah, du coup, si je crois que c'est si je fais ça. Hey. Ouin. L'angle de vue sur la dérive, incroyable. Donc, tac. Qu'est-ce que je disais? C'était pas prévu que je dorme que 3 heures, mais impossible de dormir plus à cause des voisins qui font des travaux. Oh la vache! Mais en pleine nuit, c'est pas possible. Ou alors, c'est parce que tu t'es couché hyper tard et qu'ils ont commencé les travaux à 8 heures du matin. Il y a Naxos, si je ne me trompe pas, qui est sympa au Péloponnèse. Naxos, je connais pas du tout, je sais pas où c'est. Moi, je connais plus la Crète. C'est encore plus beau à 40 000 pieds. Papa, il a dû monter à toute berzingue. Il a dû monter en toute berzingue là-haut, là. Je suis même pas sûr qu'on le voit. Ah si, il est là-haut. Il est juste là. Attendez. Attendez, mon avion à moi, il est là. Regardez-moi ça. Hop là. le coquin. Ah, attendez, hop. On va monter un peu. Plein gaz. Oula, 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 oula. Pourquoi tu... Plein gaz, ça veut pas dire qu'il faut que tu tournes, mon ami. Oh là 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 là. Mais la beauté de l'endroit, mais la beauté de l'endroit, mais la beauté de l'endroit. On est en train de se casser la gueule. dites-moi, mon petit chat, est-ce que ça vous dit un Happy Goat Scream pour fêter le week-end? On fait ça à 12h57. Vulga est là. Derrière toi, c'est Vulga. Oh, génial. Attendez, je fais de la connerie, là. Where is Mr. Vulga? Derrière, là-bas. Ok. Hey, il vient faire coucou. Alors, attendez, par contre, il faut vraiment que j'arrête de faire des conneries, là. Il va falloir que je trime un peu l'engin, qu'on se mette comme ça, qu'on réduise les gaz. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Oh là là, mais regardez-moi. Les arbres, la densité des arbres qu'il y a en dessous, là. Oh, oh, j'ai envie de faire un plan comme ça, là. Ah, attendez. Ce qu'on va faire, je vais reprendre les commandes. Je vais reprendre les commandes en externe, là. On va se maintenir un petit peu. On va mettre le pilote auto. Tac, voilà. On va réduire un petit peu les gaz pour arrêter d'être en accélération constante. Voilà. On va plus ou moins stabiliser à 210 nœuds, là. Continue à prendre de la vitesse, le machin, là. Voilà. 212 nœuds, on stabilise. On est en train de perdre de l'altitude, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. On va laisser les deux camarades nous rejoindre. Ça c'est Papa Noël qui passe, je pense, parce que Vulga normalement devrait être derrière là-bas. Et on va essayer de se prendre une photo un peu sympa. Alors attendez, excusez-moi. Je me suis couché à 3h, j'étais levé toute la nuit pour traduire un truc. Heure 7h le coucher. Ouh la vache, ça pique ça. Ça picote. Une vidéo de news du développement d'un jeu qui sort tous les jeudis soirs. Du coup, on l'a traduit avec un pote pour la commu FR vu que c'est en anglais. D'accord. L'Happy Good Scream ne durera qu'une minute, alors soyez prêts. Bon, voilà, Vulga est là. On va pouvoir repasser en mode caméra. Bougez pas, mode vitrine. Tac, tac, tac. Oh là 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 là, regardez-moi ça. On va baisser un peu ça, là. Oh là 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 là. Ah là, on va avoir une très 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 jolie photo, là. On va se rapprocher un peu, peut-être. Quoique non, on va plutôt garder ça en l'air. Plutôt faire un truc comme ça, là. Ouais. Ouais. Mais pourquoi il s'en va, l'avion? Reviens, l'avion. Mais pourquoi? Mais enfin. Mais... L'avion. Hop là, voilà. Putain, ça va être un fin de live compliqué.
J'en peux plus de vous. J'en peux tellement plus de vous, quoi. Vous êtes insupportable. Insup, ces enfants. Attendez, où est-ce que je sais au moins où je vais, là? Y'a rien devant? Non, y'a rien devant, ça va. Allez, on va ramener... Mais attendez, il est allumé le plan automatique ou quoi, là? Non, il est coupé. Bah, rends-moi la main, alors. Pourquoi c'est aussi dur de ramener l'avion? Ah, et c'est fini. Papa qu'on relance un dernier, quand même. Pour le plaisir. Et pourquoi j'arrête pas de me casser la gueule? Il est chiant, là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si c'est parce qu'il y a du vent ou je ne sais quoi, là, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il se casse la gueule, l'engin. Oh, il y a une photo à faire, là. Vite, vitrine. Avant de se casser la gueule complètement, tac. Casse-toi la souris. Oh là là. Vite. Reprendre les commandes. Oh, vous avez vu là où on va, là? Comment c'est beau? Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet endroit, comment c'est ultra beau, quoi. Ce jeu est hallucinant, je vois Vulga sur la carte, mais pas toi. Parce que c'est un jeu qui est pété. Il est incroyable, mais pas tout le temps. Et pas surtout. Mais regardez-moi ces arbres, quoi. On va peut-être mettre un peu de gaz, là. Regardez-moi... Putain, j'avoue, Charlie... Oh là là. Ralentissement. Ralentissage. Oh là là. Oh putain, c'est dégueulasse. Pourquoi ça lag comme ça? Oh, mais non. Il me fait chier, parfois, ce jeu-là. Pourquoi il se met à laguer de partout alors qu'on était... Voilà, on était ultra fluide jusque-là. Bon sang, bonsoir. Oh là là, mais cet endroit, quoi. Quelle heure il se fait? Il est midi 59. On va peut-être aller voir la vidéo, du coup, rapidement. On va aller voir la vidéo de l'update 4. Que 17 chèvres en une minute, je note, pour battre leur corps pour une prochaine fois. Saleté. Bon, en tout cas, la zone était incroyablement jolie. Y a pas à dire. Hop, on va activer le pilote auto. On va aller vite fait ici. Alors, tac. FS 20. Mais je suis en mage. World update. Allez. 4. Direction la France et le Benelux, on va pouvoir trouver des images, des vidéos, peut-être sera quand même plus sympa. Voilà, direction la France et le Benelux dans la World Update 4. Allons voir ça tout de suite. Clac. Et c'est parti. Oh mais non, c'est pas parti, on y arrive. Et c'est parti. Alors. Attends, je suis pas en train de regarder l'update 3 là. Mais non, ça c'est l'update 3. Oh là 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 là. Mais il n'y avait pas une vidéo? Ce n'est pas le trailer complet. Mais ouais, mais attendez. Bon, attendez, comment ça me... Bougez pas, on va faire autre chose. Voilà, je vais me mettre comme ça 30 secondes. Ça va me permettre de pouvoir aller checker mieux les choses. On va réouvrir le Discord ici. On va aller chercher ce que Papa Noël nous a envoyé. Hop, voilà. Tac, on se met ça en grand écran. On va fermer le jeu derrière pour pas avoir le son parasite du jeu. On va couper la musique. Voilà. On va revenir ici sur gaming tranquillement. Et on va regarder du coup cette vidéo-là. Qui du coup est la vidéo de présentation normalement. Donc du World Update 4. Donc qui devrait mettre la France et le Benelux à l'honneur. Faut que j'augmente le stock de mun pour les prochaines épigotes. Alors, Netherlands. Oh, sympathique. Erasmus Bridge. Oh, ça faudra qu'on aille le faire, le Erasmus Bridge. Ça a l'air trop bien. Va falloir se mettre en needle sur les streams de NEM.
Cathédrale, Belgium. Oh! Oh! Church of Our Lady Bridge. Sympa! Basilique du Sacré-Cœur de Belgique. Oh là là, c'est beau! Le pont de Vendre. Ah ouais! Château au Luxembourg. Jardin du Luxembourg au Luxembourg. Ah, il y a des endroits sympas, hein! Le pont de Normandie, mais oui, super, ça va être génial. Oh là là, super. La jument. Incroyable. Le phare d'Ecmoul, Saint-Nazaire Bridge. Oh putain, on va avoir des super ponts à aller voir. La cathédrale de Bourges. Fort Boyard, le fameux qu'on n'a pas vu. L'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel, ouais. Mais du coup, elle est pas modélisée, la Tour Eiffel ? C'est tout ? Ah oui, d'accord, c'est tout. Oh putain, décevant. Oh là là. Bon, c'est cool. On va pouvoir aller voir plein de trucs. Il sort quand ? Quand est-ce qu'il sort ? Où est-ce que... Non, j'ai pas dit ça. Full article détail. Il faudrait qu'on regarde quand est-ce qu'il sort. Attendez, excusez-moi. Du coup, j'étais un peu tout pas prêt, là, sur... comment ça s'appelle ? Sur le chat. J'ai pu passer aujourd'hui. Pas de cours. Bah, super, Vulga. C'était très, très cool. Petite surprise. on fait ça quand ? Il y a une coquille sur la vidéo. C'est à Paris, les jardins du Luxembourg. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Les jardins du Luxembourg, je me suis dit, peut-être qu'il y a des jardins du Luxembourg à Luxembourg, mais pour moi, les jardins du Luxembourg sont à Paris. Mais c'est pas grave. C'est un teaser sur un stream de FS 2020. D'accord. Mais c'est quoi la date ? Attendez, on va quand même se checker la date de sortie, parce qu'il faut qu'on sache quand est-ce que cette World Update sort, quoi. World Update 4. Quand est-ce qu'elle sort ? Il y a 2 jours, ça a été confirmé. Par contre, elle sort quand, du coup ? Dis-moi tout. Moi tout. Luxembourg. And the target release in end of March. Putain, yes ! À la fin du mois de mars, on va pouvoir se balader sur les Netherlands, sur la Belgique et sur la France. Ah, ça va être cool. Et Luxembourg aussi. Putain, ça va être génial. Ça va être chouette. Bon bah écoutez, moi il est 13h05, il va quand même falloir que je retourne bosser à un moment. Yes, enfin. et Luxembourgville est vraiment joli, facile d'accès en train pour vous deux. Faudra qu'on essaye quand même un jour d'aller à Luxembourg. La vieille ville est sublime avec ses vieux remparts. Avril ou fin du mois. Ça va être cool. Ça va être très 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 cool. Putain, yes. Mais du coup, il faudra quand même qu'on aille voir c'est con, hein, mais je suis même pas allé à Paris Concorde sur Flight Sim pour voir du coup à quoi ressemble aujourd'hui la Tour Eiffel. Ça doit être un truc tout modélisé, tout pas beau, tout dégueu, à tous les coups. Mais bon, ça c'est très très cool. Ça c'est très 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 cool. On va pouvoir se faire ça. Bon, sur ces bonnes paroles, où est-ce que j'ai mis le... Je sais plus ce que j'ai mis, bon, c'est pas grave. Bon, tac, on va se mettre comme ça, ça m'évitera de vous partager mes pages internet complètement useless. Bon, en tout cas, t'as quelques POI, mais pas foufou. Sur la France actuelle, d'accord. Bisous au SM, ciao, passe un très très bon week-end. bon après-midi à tous, on part bosser. Bah oui, on part bosser, il va falloir bosser à un moment quand même, il va falloir le mériter un peu ce salaire à un moment. Bon, pour tout le monde, je vous fais du coup des très très gros bisous. Merci à Papa Noël et à Vulga d'être passés littéralement sur le live. Et puis, Arbeit, c'est quoi Arbeit ? Ça veut dire quoi ? Parlez-moi français, Todziens, mais je parle pas, moi, je parle pas. Je parle pas néerlandais, les gars. Allez, je vous fais des très, très gros bisous, tout le monde. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Moi, je vais sûrement vous retrouver dans le week-end. Sur Opus TV, on fera très probablement du... Alors attendez, il y a quand même du planning sur la fin de semaine, là. Je stream sur Opus de 18h à 20h. On ira faire du Hades. Ensuite, je serai aussi en live sur Opus TV, si je dis pas de conneries, demain, de midi à 14h, il me semble, toujours pour du Hades. Et je serai en live toujours sur Opus, sur la soirée de la Froisse, de 18h à 20h. Où on ira se foutre joyeusement sur la gueule, que je vous dise pas de bêtises, sur Brolala. On a pris un jeu gratuit exprès pour pouvoir se foutre joyeusement tous ensemble sur la gueule. Donc si vous voulez voir tout ça, vous n'hésitez pas, c'est sur Opus TV, Opus_TV.
C'est une chaîne 24/24 sur laquelle je stream également avec tout plein de potes, tout plein d'autres streamers. C'est assez cool. Et on passe de très très bons moments. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Ciao !